Nous sommes aux portes de cette forêt de Nébias, où on peut rentrer comme un promeneur, comme un randonneur, puisque c'est la proposition, il y a un sentier nature qui est ici. Mais on peut aussi rentrer comme quelqu'un qui vient paisiblement, tranquillement, le cœur ouvert, parce que c'est en sachant que c'est une des dernières forêts en France, hein, où des personnes viennent méditer, prier, avec les arbres, avec les clairières, avec les roches, avec le lieu, l'esprit du lieu. Et c'est une forêt particulière. Il y a dans la forêt des énergies de guérison qui dépassent nos propres projections, nos propres façons de penser. Et on peut être, quoi qu'il en soit, participant. On peut prendre soin des arbres, ne serait-ce qu'en posant la main sur une blessure. On a ce pouvoir guérisseur en nous et on peut l'appliquer comme un baume sur les arbres. Tu sais, des fois, on voit quand tu vois un cheval ou un âne, tu te dis c'est tellement costaud, peut-être ils sont sensibles, mais pas forcément. Et tu vois une mouche se poser sur le dos d'un âne et tu vois que l'âne va tressaillir. Et en fait, un arbre, c'est pareil. On a l'impression des fois qu'avec son écorce, bien, il pourrait être insensible. Et si tu poses ne serait-ce que la main, même si tu poses ne serait-ce qu'une intention d'aller poser la main, il le sent. Quand tu touches un arbre, il y a quelque chose qui est assez magique, hein, que des chercheurs ont pu observer, c'est que pour les personnes qui viennent d'un environnement confiné, si tu es en ville en particulier ou dans ta maison, tu vas avoir au niveau électrique dans ton corps des charges positives, une ionisation positive. Et alors, l'ionisation positive, en fait, c'est pas bon. Enfin, normalement, c'est pas génial. C'est-à-dire que ça va amener du resserrement, du stress, de l'énervement, parfois de l'agressivité, des fois des douleurs articulaires, hein, des douleurs cervicales. En fait, ça crée quelque chose qui fait que tu ne te sens pas forcément bien parce que ton environnement est comme ça. Et quand tu vas aller en forêt, que tu vas toucher un arbre, c'est comme de faire une prise de terre. Hein, parce que l'arbre, lui, il est harmonieux. Au niveau électrique, il revient d'instant en instant quelque chose d'harmonieux. Et donc, quand tu le touches, en fait, il balaye en toi ces ions qui sont néfastes pour ta santé, ces ions positifs, pour faire un équilibre au niveau électrique. Il suffit juste de toucher un arbre, tu reviens à cet aspect-là. Et même en ville, on peut le faire, s'il y a un parc pas loin de chez vous, vous pouvez y aller, et ne serait-ce que toucher les arbres, ça va faire une prise de terre. Ça va changer concrètement les courants, les flux électriques qui sont dans le corps. Et ça, c'est magique. C'est magique. Et même